Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité nationale d'Haïti. C'est Journal pour la qui rentre la caillou. Nous allons dans quelques secondes, petit journal. Mais puis gros point cap domine actualité à séance pour monter commission permanent yo dans chambre député a pas arrivé dans boutli Jean Saté prévoit à cause quatre blocs politiques pour qu'on joigne un consensus pour partager commission yo dans Sénat République là discussion yo avancé entre différents blocs politiques yo pour formation commission permanent yo d'après sénateur Nao Marcellus ak Jacques Sauveur Jean. Opération pour régulariser, ça fait vite teinté avec Girofa après poursuivre dans le PIA, d'après le secrétaire d'État de sécurité publique là, Léon Ronsard Saint-Cyr. Environ 400 à l'école, pour qu'on jamais remette liste décision fin année 2016-2017 dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Papier Sayo t'est doué déposé depuis 18 août 2017 d'après directeur général ministère Menio Jeune. Boule Mardi Gras, c'est un nouveau boule loterie l'État haïtien lancé pour période carnaval là. Avec Boule Mardi Gras, jouer loterie gagné premier lot 100 000 goudes, deuxième lot 50 000 goudes, troisième lot 25 000 goudes. Actualité à l'autre bord de l'eau, Croix-Rouge internationale, mandé communauté internationale là à prêter attention à situation déplacée dans plusieurs coins dans Centrafrique, une façon pour mettre disponible plus aide humanitaire pour moun sayo. C'est tout point sayo, nous allons développer pour vous, restez branchés, Naptonet. Nous allons commencer le journal là, amis téléspectateurs, avec un bulletin météorologique que Wilner Polidor a présenté. Salut les amis, je dis à ce jeudi 18 janvier 2018, c'est un plaisir pour nous capables d'informer sur comment sous pays a, il faut que nous toujours rappelons, c'est toujours en Côte-Oisie, Centre national de météorologie pays d'Haïti, de concert avec OFNAC, qui c'est Office national aviation civile, qui met ensemble avec Télévision nationale d'Haïti, pour voter pour nous, prévision météorologique. On alloue ça tout de suite sous région Caraïbes. Nous gagnons sous façade ouest région Caraïbes, ça veut dire entre Haïti et Cuba, de l'air vraiment humide qui a influencé les conditions météorologiques là pour jeudi. Et ça n'a attendu comme temps sensible pour jeudi. On a bien la pluie qui a vraiment concerné tout département. Mais période qui a pile en c'est sous région nord, ça veut dire département nord. Nord-est, nord-ouest, c'est concerné par activité la pluie pour aujourd'hui et tout pays a concerné par activité dans l'après-midi, dans la soirée et au cours de la nuit. Pour capitale avec zone qui environne son capitale qui a toujours gagné la pluie avec aujourd'hui, mais il faut que nous rappelions que c'est tout quartier qui est concerné par activité la pluie pour aujourd'hui et température la monter jusqu'à 32 degrés Celsius et puis la descendre c'est 20 degrés Celsius. Et pour page maritime, nous avons une mer qui agite sous région nord avec côte sud, parce que nous avons un carré, la mer a monté jusqu'à 6 pieds, et capitaine d'embarcation nous a demandé quelques prudences avec précaution sous la mer, mais pour le golfe de la Gonave, nous sommes capables de naviguer correctement parce que pas gain trop soucis. Et pour page astronomique, je dis, elle a couché à 5h34. Et la pluie demain matin à 6h25. C'est tout ça que nous avons pour la situation météorologique là. Merci pour fidélité. Avec attention, nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Nous prenons direction Palmont. Séance pour monter. Commission permanente dans la Chambre des députés a pas fini encore. Jeudi 18 janvier à cause 4 blocs politiques pas arrivés joignent un consensus pour partager commission yo. Une autre fois, Biwa a décidé renvoyer bloc politique yo à l'Echita encore pour Antonio. Président Chambre député a dit, il y espérait, dans le week-end non, a bien une entente pour lundi. Pour Biwa a fait conférence président pour Chambre député a capable de commencer le travail. Yo extrait dans le micro, Fedner à confident avec Moïse Wilbrich. Formation commission faite par consensus, donc le consensus au lieu de l'élection, donc il y a 4 blocs ici, il y a GPS, il y a APH,
gen GPEP, gen OPL Vérité Allié. Donc yo beaucoup fin entendre yo gen des commissions que bloc yo attribué yo na clot. Mais gon petit problème toujours parce que négociation beaucoup fini. Pour que nous cajons nous entendre, pour nous capables de garantir la concorde. Mais encore une fois, nous avons félicité tous les députés, nous avons félicité la population qui a voté des députés responsables. Je dis encore, qui viennent dans la séance depuis à 11h, qui là, qui viennent travailler au profit de la population. Jour séance, nous ici, c'est mardi, mercredi, jeudi. Demain, vendredi, par une séance, où on est le vendredi, les députés vont aller dans la circonscription. Pour aller dans des activités coutumières, pour aller dans des activités communautaires. Donc, dans le week-end, nous connaissons le consensus là, qui est en juin. Donc, lundi, nous avons fait la première conférence des présidents nous, pour nous capables de prendre des dispositions pour nous faire séance, pour nous statuer sur des lois, sur des propositions de loi. Sénateur Noah Naoum Marcellus est critiqué, sénateur opposition dans le Sénat, qui voulait imposer. Loyaux, il a demandé 4 commissions importantes. Sénateur Marcellus qui gagne pour présider commission affaires étrangères, dit majorité cap supporter président clé. Pas question pour minorité à imposer Loyaux. Yon extrait dans micro fait de mes confidents avec Moïse Woodbridge. Je remercie les collègues et sénateurs qui ont la possibilité pour que moi mette expérience PAM comme sénateur dans la présidence commission. Et nous allons regarder. Problème qui est dans la diplomatie au niveau national, au niveau international, parce que nous avons des fonctionnements ministères affaires étrangères, problème budgétaire qui gagne, trop de monde, problème formation, et que Chili, République dominicaine, Brésil. Donc, nous allons regarder avec l'autre membre, et vice-président, c'est sénateur Sidor, et sénateur qui était secrétaire rapporteur, que vous faites monter bureau, pour nous garder pour nous plus dans. Propulsion que le président a fait pour un peu redresser la diplomatie. Pas de formation pour expérience. Expérience au-delà de formation universitaire qu'on gagne, il ne faut pas participer. Cependant, le fait que je me démarre ça déjà, je suis député déjà, et je suis sénateur de la République, connaissance que je gagne dans la diplomatie, pas permettre que, avec l'autre collègue, pour être que nous avançons. Matin, je travaille avec les consultants, et ceci n'a pas travaillé sur un plan. Et très bientôt, nous pourrons acheter avec le ministère des étrangers, avec l'autorité qui, pour décider en ce sens, pour être une décision qu'on a sur ça. Majorité présidentielle là, c'est dans l'élection, nous avons un comportement dans l'élection. Donc, si nous avons un comportement dans l'élection, et tout le monde est dans l'élection, nous dictons le comportement nous, dans le vote par nous, pendant un an, et ceci nous dit clair que pendant tant d'affaires dans cette et nous croyons qu'on doit aller. Bon, dis nous, Marie. Minorité a pagué pour décider qui commission pour le point, qui commission pour le pas point. Ou pas capable de l'ordre pour dire que c'est ça ou c'est pas ça. Par exemple, comme ça. Nous-mêmes, nous avons supporté le président. Nous, tout le monde qui est dans la majorité, nous tenons l'élection ensemble et nous prêté ensemble. Nous sommes clairs sous des commissions. Minorité a dit clair que, il a dit que c'est un, il faut nous bailler affaires étrangères, il faut nous bailler et agriculture. Faut nous bailler et affaires sociales, faut nous bailler finances. Non. Nous avons décidé de travailler ensemble avec eux et nous décidé de faire. Cependant, le sénateur Beauplan est clair dans son tableau. Il dit que c'est ça ou c'est pas ça. Sénateur Nordesla Jacques Sauvergeant allait dans le même sens avec le sénateur Naoun Marcellus. Sénateur Jean Dilly espérait collègue dans la minorité a pris conscience de réalité. Un extrait dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbich. Minorité a dénoncé ça, le dénoncé dans Jean Pal. Mais moi-même, je vais me constater. Ou qu'a toujours besoin de faire la paix, ou qu'a toujours besoin de la paix. Mais son bagage ou doit proposer surtout leur position de force. C'est là ça la paix, les deux bagages. Mais si c'est parce que ou en position de faiblesse pour demander la paix, sont leur stratégie liée. Mais tout le monde connaît la loi du nombre, ça le représente au niveau de la démocratie. Donc si nèg la majorité, sont en train de prendre, même pas grave. Sous cadre ou mettre prendre. Mais si c'est moi qui pour baou, on va pas baou. Cela veut dire que. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire, par exemple, nous avons demandé 4 commissions. Nous avons demandé que nous avons finance, affaires étrangères, agriculture et affaires sociales. Ça veut dire que l'homme de là, c'est pour ta cabane.
Si vous comprenez, mais si vous ne pouvez pas comprendre, ça nous propose. Donc, il y a d'autres propositions faites. Il y a une commission planification, il y a d'autres commissions qui sont capables d'intéresser. Appelez-vous, mais que Nagyo dit que vous-même, vous voulez ça, si vous n'avez pas joint, vous n'avez pas joint. Ou bien dit le fait que la majorité a qu'à prendre. Dit lui qu'à prendre, lui prendre. Et s'il va qu'à prendre, il va qu'à prendre. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais ça ne veut pas dire que le plus fort a toujours raison. Il faut être clair. Mais Mabdou, la loi du nombre en démocratie, c'est un bagage qu'on va empêcher. L'autre point dans le journal là, opération pour régulariser les affaires vite teintées avec Girofa à bras poursuivre. D'après secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Ronsard Saint-Cyr, qui déclarait lui déjà constaté une amélioration dernier jour ça y est. Cependant, il y a ajouté tout permis teinté avec Girofa toujours valable et puis service là campé. Secrétaire d'État Saint-Cyr a exhorté responsable dans l'État, coup simple citoyen pour faire bon utilisation matériel ça y est. Pour faciliter circulation tout le monde. Léon Ronsard Saint-Cyr, Manico, Esaïe Aurelius et Moïse Rouelwich. Nous ne pouvons pas suspendre, nous allons prendre de manière plus correcte. Parce que si la balle en retour, voilà, au cas où Jacques Valdez vient prendre, et puis sans bagarre, le monde s'est suffisé de la police déjà. Donc il n'y a pas de faire des enjeux, il n'y a pas pour tout faire des vidéos encore. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans tout? Mais c'est juste la fonction pour qu'on ait plus de contrôle sur le vide teintéa. Et là, c'est très bien. Et ça a demandé que les petits problèmes ont commencé effectivement. L'autre date pour nous reprendre dans la règle de l'art. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, grand problème, que qui pas récurrent ou bien qui pas deux ministres, qui fait tout le monde lié sur le kidnapping. C'est parce que la police a décidé qu'ils font un gros effort pour le finir, qui fait que nous allons aller encore. Mais pas un seul cas de kidnapping qui était fait sans avoir envie de tenter. Ce qui signifie que le monde qui était compétent pour envie de tenter pour faire notre bagaille. Dossier éducation, environ 400 l'école pour qu'on remette liste décision fin année 2016-2017 dans le ministère éducation nationale à formation professionnelle. Directeur général ministère à Menio Jeune expliqué, papier ça a été doué déposé depuis 18 août 2017 dans l'idée pour aider élèves qui non établissement ça y a gain accès à examen à l'état yo. Le ministère a offri yon l'autre occasion by responsable l'école ça y a qui doit passer déposer liste décision fin année dans local inspection générale ministère sorti 22 janvier pour arriver 2 février 2018. Yon extrait dans micro Rodney d'Orléans ak Hervé Pierre. Décision fin d'année, c'est yon bagay automatiquement année a fini, l'école doit remettre. Et c'est pour raison ça, le ministère de l'Éducation nationale qui a décidé pour l'exercice 2016-2017 là, pour l'école de remettre décision fin d'année depuis 18 août 2017. Et je dis à nous, 18 janvier, nous gagnons plus que 400 l'école qui ne remettent pas décision fin d'année. Nous voulons signaler avec toute direction de l'école, ça, à partir de jeudi, il n'y a pas de rapport pour remettre document que nous avons les décisions de fin d'année, les formations de classe et du formulaire à la direction départementale de l'Ouest. La direction générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle demande de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de déposer les listes de décisions de fin d'année 2016 au local de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, CISA Musso, Delma 60 au numéro 2 de la route 2020, siège Delma qui a déposé le CISA 25 janvier à Kaye, Kabar, Casal, mon oui, yo tout y a déposé 26 janvier. Léogane, Grand Guave, Petit Guave, Lagunao, yo tout y a déposé 29 janvier. Port-au-Prince, 30, 31 janvier. Carrefour, 1er et 2 février.
passé. De l'autre bord, directeur Bunexla, Renan Michel, expliquait ensemble processus et puis dénoncer et puis loin l'école Sayo qui d'après lui a fait tant passer yon manière pour yo régler les affaires corruption yo pidien. En suivant extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. Décision de fin d'année à qui ça lui. C'est le team nous film composé dans le troisième trimestre. Et bien l'école a baïkané. Depuis l'école a fin baïkané, l'étude a eu une décision de fin d'année. Ça a lié, c'est mes élèves qui étaient dans la seconde, mes élèves qui étaient dans la troisième, mes élèves qui étaient dans la cinquième, mes élèves qui étaient dans la neuvième année ou la huitième année, mais qui sont passés, mais qui ne sont pas passés. Mais qui ont quitté l'école là. C'est ça seulement. C'est-à-dire que, à partir du moment que l'école a fini par être l'étude a eu une décision de fin d'année. Si l'élève n'a pas fermé le 24 2015, l'élève n'a pas qu'à valider. À ce moment-là, le directeur de l'école a accepté que Timoun ça, il paye seconde, il paye l'école, il paye philo. Et puis c'est l'arrivée de l'école qui a dit que, ah, ou pas pa valider parce qu'on ne peut pas faire une année à temps. Mais ça, Timoun a perdu 3 ans et les parents ont perdu 3 années, la paye pour gagner ici. Donc c'est pour freiner tout dérapage, tout dérision qui fait que nous demandons que l'école s'en qui parle de cause, il faut vérifier, parce que dans les secondes qu'il y a là, que Timoun a été fait 9e année. En 2014-2015. C'est pour finir toute dérive qui fait nous demander que faut tout bien soit déposé à temps. Et que nous disons publiquement son dernier chance que nous bâillons à Anissa. Parce que si nous ne savons pas au courant, eh bien, nous disons que liste pour décision de fin d'Anissa fait à temps pour ne pas pénaliser les élèves. Et nous croyons que à partir de jeudi, tout parent, tout élève, par des yeux fixés sur l'école, pour demander l'école, est-ce qu'ils ont respecté la date que le ministère a fixée. Et nous toujours disons ça. Date, ça, nous, les dates importantes. Depuis un mois, mai, il y a un calendrier scolaire que le ministère a mis dehors pour arriver prochainement. C'est-à-dire que tout directeur d'école connaît qui date le déposé. Mais parce qu'on le fait fou, eh bien, ils n'ont pas respecté l'issue ça. Eh bien, nous dit Anissa, c'est Sira. C'est là, eh bien, la mettre frais à Barreja. La plusieurs enseignants dans formation initiale accélérée FIA réalisée jeudi 18 janvier à un sitting devant local ministère éducation nationale avec formation professionnelle dans l'idée pour demander intégration yo dans système là. En séance a yo expliqué autorité yo négligé yo après plusieurs années yo passé après formation sa yo. Yo extrait dans micro Rodney d'Orléans à Hervé Pierre. Nous ensemble enseignants et FIA qui c'est formation initiale accélérée. Nous prenons formation depuis l'année 2009 pour niveau 2011 et nous te promettons que nous finissons formation ça, nous finissons graduer, nous intégrons nous dans le système. Depuis nous finissons graduer, nous n'avons pas jamais passé avec nous, nous n'avons jamais relé nous dans le ministère là pour nous dire qui ça a fait avec nous. Nous avons parlé de toutes les entités. Nous ne pouvons pas parler de FIA. Nous-mêmes, nous sommes les premières cohortes FIA. Nous sommes à ce que pour nous, notre système, avec toute force, nous, pour contribuer, pour nous gagner. Nos pays solides et d'hommes pour nous gagner. Responsable Compassion Internationale dans l'école Wesleyenne Mahotte, une localité dans la commune Torbeck, et puis nouveau bâtiment, l'école évangélique Baptiste Arniquet. L'école ça fait partie du projet Centre de développement Timoun HA 205 avec Centre développement Timoun HA 0304. Si cérémonie inauguration l'école Wesleyenne Maroua te déroulée dans l'espace l'école là, cérémonie inauguration l'école évangélique Baptiste Anikea déroulée dans l'église évangélique Baptiste Anikea en présence élèves, autorités locales et directeur Office national partenariat dans l'éducation Delima Pierre. La construction de l'école Sayo, c'est résultat si pour Compassion Internationale, la mission locale qui était touchée pendant le cyclone Mathioua. Moi, personnellement, je viens à l'école, je viens faire une évaluation. Moi, je vois que de l'école Sayo, reconstruite. Nous avons réparé 53 l'école et suite à ça, mais de l'école Sayo, nous avons besoin de faire des interventions qui étaient poussées. Nous avons fait contrat avec eux et puis dans ces constructions. Nouveau bâtiment Sayo a permis plusieurs centaines d'élèves l'école étudier dans plus bonnes conditions. Ma mission bénéficiaire yo pas cacher satisfaction yo. L'eau qu'on a entré là, les élèves y a pas
entrer dans la salle de classe, et comme c'est parent, c'est côté pour côté sous dos, entrer dans la salle de classe. Et tous ces vieux, tous ces pantalons pour être capable d'entrer dans la classe. Salle là, chargée avec l'eau, le soleil, si on ne va pas supporter à cause de chaleur, salle tellement étroite. Mais grâce à Dieu, pour aujourd'hui, mon cher, c'est vraiment magnifique. C'est avec la joie et au cœur que. Une joie débordante que nous avons recevoir l'équipe Compassion Internationale, qui est un partenaire qui travaille avec MEBSH. C'était après le passage du cyclone Mathieu, l'école a été écrasée. Donc, dans une rencontre que nous avons avec le directeur, il a demandé à mon président qui a plan au gain, qui projet au gain. Il a dit que nous avons compassion pour travailler avec la construction. Mais dans la situation où nous avons 300 églises qui écrasées, nous avons 160 écoles qui endommagées, écrasées et 150 presbytères. Donc nous demandons comment ils aident nous. Ils te répondent, il y a un pile qui aide nous. Ça c'est une nadayo et c'est un building flambant neuf pour que nous jouions bon pain l'éducation. Construction bâtiment de l'école Sayo qui joint financement compassion internationale commencé dans le mois juillet 2017 d'après précision responsable. Nous arrivons au moment pour nous prendre une pause, pas débrancher, Naptoune. Napara poursuivre actualité à Boule Madigra, c'est un nouveau boule responsable loterie l'État haïtien lancé pour période de carnaval qui pourrait permettre à la population et puis gagner premier lot 100 000 goudes, deuxième lot 50 000 goudes, troisième lot 25 000 goudes. Directrice LEHLA Marie-Margaret Fortuné dit que c'est une façon pour permettre à la population de rentrer en Ticob pendant la période carnaval. Il y a un extrait dans le micro, Louis-Marie-Jo avec l'Aurore Darly. Ils ont joué avec nous. Puis vous lancez toujours 25 gouttes de tickets. Et si vous voulez acheter un bloc, bloc là, c'est 1250 gouttes. Premier prix, c'est 100 000 gouttes. Deuxième prix, 50 000 gouttes. Des commissions formées dans loterie l'État haïtien pour travailler dans tête collée avec le ministère finance sous problème avec difficulté. Institution dans question hasard a fait face. Commission Sayo Genladanyo, LEH, MEF, ANTB, AK, DGI. Directrice loterie l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, a déclaré au prend décision ça par rapport à problème qui existait entre LEH et tenancier Boletio. Un extrait à un micro Marie Jolie avec l'Aurore Dali Jean. Je pense que c'est Wall l'État, Wall président, Wall président, c'est stabiliser l'institution. Nous-mêmes, en tant que femme d'État responsable, nous sommes dans une réplique pour nous dire que c'est l'autre, c'est l'État ici qui vient. Qui a un prérogatif pour régler les jouets hasard dans le pays, comme je l'ai fait dans le monde. Et pour préserver les autorités de l'État dans les jouets hasard, le président, notamment le ministère des Finances, prend une décision, fait partie d'un problème. C'est ensemble, la commission Sarola, j'aimerais demander en métropole pour qu'un dette nous toujours dit que l'association doit nous pas en payer. Et nous connaissons tous les gens qui ont une dette que gagne pendant 4 ans. Ça, l'État haïtien n'a pas gagné, il n'y a pas de bail comme que a été fait ce droit pour l'autrien. Il faut qu'il rembourse l'autrien, il faut qu'il rembourse l'État. Et tout, je dis, je vais être dans le monde sur notre bagaille. Et que le ministère là, qui a accompagné l'autrien, qui est le ministère des Cités, non, je prends une décision pour nous travailler pour renforcer. Autorité l'audience, certes, mais moderniser tout, venir avec des jouets pour satisfaire tout pour la population. Il y a un peu de problème dans l'État, il y a des problèmes politiques qui ont gagné parce que nous avons plein pour le temps. Nous avons le temps parce que nous avons quitté un grand monde qui prétend avoir l'ambition de diriger l'État, affaibli même l'État qui a besoin de diriger. Autorité a pris responsabilité. C'est pour ça que la commission est là. Pour renforcer, moderniser et tout travail avec les gens qui concernent pour c'est l'État haïtien qui gagne, c'est pas un grand monde. Parce que le temps qui passe, c'est des individus pour continuer qui fait comme l'enjeu d'argent, c'est pas ni l'État haïtien ni l'autre.
Pourtant, la loi qui crée l'OTIA, la loi de 1958, il est clair que l'OTIA a gagné l'article 24 pour lui bailler 25% dans les affaires sociales, dans les affaires éducation, dans les affaires santé, dans la route qui a fait, dans tout ça, nous, le président du gouvernement fait là, nous, le campéré, nous sommes pas entre nous là, ça a fait dans ces marques Gonaïve, c'est avec l'argent taxe qui a fait. Je veux dire, à travers le monde, tout le monde a des problèmes économiques. Pas nous-mêmes, pour nous renforcer l'État, côté nous prenons des taxes, pour nous prendre, pour nous quitter au gaspiller pour servir. L'autre dossier, jeudi 18 janvier, regroupement contractuel victime dans le ministère des Affaires sociales et Travail, mandé responsable ministère, PEO, ARE, Saléo, Yodweo. D'après sa contractuelle, ça y a expliqué qu'il y a quelques nayo qui déjà touché Kobio et puis qui pas même travail vrai dans le ministère. John Kelly, Laurent, Tenamico, Midrey, Milias et Darly Laurent Jean-Jacques. Je dis à nous voulons rappeler à ministre Stéphanie ça qu'il te dit, ça qu'on a habitué de dire dans la presse, ça qu'il te dit dans ce qu'il a fait sortir le jour qui était 7 novembre 2017 là, quand il te déclaré. Li pral paye tout contractuel yo, tout l'argent que li te doué yo. Jusqu'à présent, nous bay ministre lan, bénéfice du doute, pendant que nous avons pris tant d'actions que le pral fait, après que après conférence de presse a fin passé, et après correspondance que nous avons adressé à elle, nous mandons yon chita pour nous capable expliquer la frustration nous, et puis faire une historicité. De ça que tu passé dans le ministère de Moun que tu as supposé surveiller. Et c'est notre phase, quand tu nous voir auprès de nos cabinets d'avocats, avec tout dossier contractuel, pour nous dire nous pas perdu comme ça. Le secteur opposition démocratique à Populaire a annoncé une marche pacifique dans la capitale là lundi 22 janvier, qui va le bout devant l'ambassade. Mais avec les propos racistes de M. Donald Trump, président américain, nous décidons de bailler l'activité qu'a faite lundi 22 à un contenu patriotique, une dimension citoyenne et une portée internationale. Et c'est comme ça que nous allons réaliser la marche de la dignité nationale. Marche là, sortie dans différents lieux de rassemblement traditionnel opposition, hein? La Saline, Pétionville, Bel Air, Jean-Mars, Cafroy-au-Port. Cafou payant, nous prenons le bout devant l'ambassade américaine. Voici les dispositions qui ont été prises. Premièrement, la notification constitutionnelle exigée en matière de manifestation de réunion sur la voie publique a été acheminée à la PNH. Depuis hier, la police nationale d'Haïti gagne un document côté non deal, n'a fait marche, c'est pas la marche de la dignité nationale pour venir accompagner. Deuxième disposition, nous avons établi, nous mettons nous un cordon de sécurité pour le constituer de militants de l'opposition. Parce que nous ne pas voulu des dérapages dans la marche lundi. Hein? Et parce que le plus souvent, il y a une infiltration. Mais lundi, nous voulons faire totalement pacifique, un cordon de sécurité. Et le premier monde qui a fondé des ordres, il sera arrêté et remis à la police immédiatement. Là, nous arrivons devant l'ambassade américaine, la presse retenait ce nom. C'est le député Taquin. Jean-Robert Bossé, qui fait partie de la branche institutionnelle de l'opposition au Parlement, à la Chambre des députés, c'est lui-même qui pourra le porter le message final. Ce réveil patriotique qui nous a pris avec les propos racistes de Donald Trump nous exige à changer notre fusil d'épaule pour que 22, ce soit une marche contre l'indignité, une marche citoyenne. N'a pas rappelé, nous ouvrons bras nous à tout le monde. Secteur droits humains, n'a plein son appel à collectif 4 décembre, à l'université, à tous les citoyens. Avec nous toutes, carnaval Pétionville, Pibel, c'est sous thème ça, mairie Cominsa, annoncé y a organisé carnaval dimanche 4 février 2018 là. Magistrat Pétionville là, Dominique Saint-Roch, expliquait festivité carnavalesse non commune l'an a coûté environ 7 millions goudes. Premier citoyen Pétionville l'a fait qu'on est, il a déjà pris disposition dans tête collée avec la police et puis l'autre instance pour faciliter le déroulement carnaval là. Magistrat Dominique Saroc, Tenamico, John Herbie, Casseus et Hervé Pierre.
nous avons un parcours traditionnel que Didier Okon fait qui a sorti d'Elma 56 pour monter, pour aller rue Panaméricaine, passer devant Munchies et remonter par Rio Brun. Parcours artistique qui a commencé plus bonheur lui-même à partir de 2h de l'après-midi. Il a commencé devant Myriam et c'est là, défilé Banapieyo, tout le monde que nous avons gagné dans le parcours là, l'a fait. Disposition, nous prenons déjà avec la police pour nous assurer nous que la question de sécurité et la respecter, que nous ne pouvons pas déplorer des blessés et au niveau carnaval. Là. Et l'autre mesure que nous prenons, c'est que nous parlons là de Pétionville et avec tout le monde à Pibel. Donc là, moi, je suis annoncé là, on a demandé pour que tous les citoyens en deux communes impliqués. Et l'autre mairie, c'est venu nous coup de main en jouant pour nous assurer que nous avons une capacité pour nous faire enlèvement de tout ça capable de gagner comme des avec nous dans le carnaval. Donc, ça vient faire que les différentes communes qui sont venues, viennent participer nous et viennent participer avec nous dans le carnaval. Et à la fin, nous allons regarder si nous sommes capables de faire un prix à la commune qui vient avec plus bel déguisement, qui attire plus de monde, plus de yeux sur eux. Haïti, les délivrances l'ont arrivé, c'est sous thème ça, Commission nationale protestante pour la prière lancée, jeudi 18 janvier à 3 journées, prière sous champ de masse. Président Commission nationale protestante pour la prière, pasteur Joël Pierre, expliquait l'activité ça organisée dans l'idée pour lever le pays d'Haïti devant face Bonje. Pendant, il y invitait toute secteur de la population à participer dans 3 journées prière, yo, kabout samedi 20 janvier. Pasteur Joël Pierre, dans le micro, Paki Sainte-Croix avec Henri Robert Chérez. Je pense que chaque bagage est temps, yo. Parce que prière lui-même, il doit faire en permanence. Et c'est parce que nous croyons dans ça. Nous croyons que c'est seule la prière capable de mettre nous dehors. Tout le monde reconnaît vraiment et pays qui a des crises, pays qui a des divisions là-dedans. Donc, Haïti, pas qu'on a un jour meilleur. Mais nous sommes certains, après ces prières, ça va bon, pour le visite à Haïti. Nous allons prendre une autre pause publicitaire. Naptoune. N'a pas rapoursuivi avec journal là, Association Santé Publique d'Haïti, ASFA, a informé public là en général après élection qui fête dans l'Assemblée Générale Ordinaire 17 décembre 2017 dans siège social institution. Il y a un nouveau comité exécutif pour période 2017-2019. Docteur Paul-André-Louis Biron, secrétaire général. Docteur Yves Gaston Delouche, secrétaire général adjoint. Docteur Robert Éveillard, trésorier. Ingénieur Gerla Élisée Morancy, trésorier adjoint. Docteur Didier Hérol, lui, conseiller. Docteur Anne-Marie Desormeaux, conseiller. Docteur Julio Desormeaux, conseiller. Docteur Myrta Lucin, conseiller. Docteur Ginette Lubin, conseiller. N'a pas un coup de pied dans l'actualité, dans l'autre bord de l'eau. Police espagnole et police portugaise saisit 745 kilos cocaïne dans plusieurs ananas. 2018 là, sous port Lisbonne, en Suisse. 6745 kilos cocaïne, police espagnole et police portugaise saisit dans ananas. Trafiquant yo mette cocaïne sa yo en dans plusieurs ananas qui avant tout vide. Opération sa arrivé faite sous port Lisbonne là, c'est Panama, drogue sa sorti. Police espagnole yo fait connaître cocaïne et puis la police te kembe deux individus.
D'après déclaration secrétaire d'État américain Rex Tillerson, l'armée américaine a arrêté dans le pays Syrie pour créer instabilité et puis préparer départ président syrien Bachar al-Assad. Dans l'objectif ça, environ 2000 soldats américains qui présents dans nos pays Syrie a prêté sous place d'après Rex Tillerson en Suisse. L'armée américaine voulait prendre racine pour stabiliser le pays Syrie et puis préparer départ président syrien Bachar al-Assad. Il y a une déclaration secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Dans ces circonstances, environ 2000 soldats américains qui présents dans nos pays Syrie a prêté sous place pendant tout le temps ça doit prendre. Toujours d'après déclaration Rex Tillerson. Mission nous dans le pays Syrie a obéi à quelques conditions. Nous pas qu'à faire même erreur nous te fait dans l'année 2011, l'en te quitter pays Irak avant l'année, ça qui vient permettre à Al-Qaïda prendre force et vient tourner Daesh. Et c'est vide ça qui était la cause Daesh et plusieurs autres groupes terroristes créer la troublaille dans le pays. Terrorist organizations to wreak havoc on the country. Secrétaire d'État américain fait un lien clair et puis précis entre présence américaine dans la région et nécessité pour l'aboutir à départ Bachar al-Assad. Le président Croix Rouge international là, Peter Mayer, mandé communauté internationale là ouvrir sous crise qui frappait environ 2,2 millions déplacés dans Centrafrique. Et l'autre bord travaillait humanitaire déjà obligé réduit moitié dans aide humanitaire dans quel côté dans pays en Suisse. Président Croix Rouge international là attire attention sous crise humanitaire qui fait rage. Une année après retour série violence qui frappait plus fort côté dans pays. Président Croix Rouge international là qui en visite dans la capitale centrafricaine Bangui et spécialement dans le camp déplacé yo mandé communauté internationale là ouvrigé sous crise ça qui frappait environ 2,2 millions de déplacés. J'étais à Lindao quand les violences ont commencé et j'ai dû fuir. Quand je suis revenu, des hommes armés m'ont capturé. Ils m'ont battu à la machette et mon fils aussi. Médecins sans frontières qui présent dans la ville Paoua, qui est dans le nord-ouest pays, a apporté aide à la population. Le problème aujourd'hui, c'est un conflit atypique puisque c'est un conflit à huis clos où les gens sont, semble-t-il, blessés et tués en brousse. Ceux qui n'ont pas pu arriver à temps sur Paoua ont disparu dans la brousse, sans doute tués. Même dans la région qui pire sécurité dans le pays, habitants ont fait face à une violence en permanence. Autorités centrafricaines sont incapables de mettre un bout à quantité de monde qui a porté des âmes dans le pays. Le travail humanitaire est déjà obligé de réduire moitié aide humanitaire dans quelques zones où le camp de travail est malgré malnutrition en généralisé, la qualité de monde qui a moins passé 5 années. Enfin, nous mettons un bout, mes derniers rappels, c'est tout. Séance pour monter commission permanente dans la Chambre députée n'a pas arrivé dans Boutli, Jean Saté prévoit, à cause quatre blocs politiques pour rejoindre un consensus pour partager la commission. Dans le Sénat République, la discussion a avancé entre différents blocs politiques pour formation commission permanente. D'après sénateur Naoum Marcellus et Jacques Sauvergeon. Opération pour régulariser les affaires vite teintées à Girofa a poursuivre dans le pays, d'après secrétaire d'État sécurité publique là, Léon Ronsard Saint-Cyr. Environ 400 écoles pour que j'aime remettre lisse décision fin année 2016-2017 dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Un papier saillot est doué déposé depuis 18 août 2017 d'après directeur général ministère Menio Jeune. Boule Madigra, c'est un nouveau boule lancé pour période carnaval là. Avec Boule Madigra, jouait l'autrio, gagnait premier lot 100 000 goudes, deuxième lot 50 000 goudes, troisième lot 25 000 goudes. Actualité à l'autre bord de l'eau, Croix Rouge international là, mandé communauté internationale là, prêter attention à situation déplacée dans plusieurs coins dans Centrafrique. Yon façon pour yon mettre disponible plus aide humanitaire pour Mounsayo. C'est là nous mettons fin.